Amateurs et amatrices de chasse aux trophées, salut, c'est Karadas, on se retrouve aujourd'hui sur Kingdoms of Amalur Reckoning, un jeu de Big Huge Games et 38 Studios qui a été édité par Electronic Arts. Un jeu qui est sorti quand même il y a un bout de temps, qui a été gratuit sur PlayStation Plus il y a quelques temps aussi. Donc j'imagine que vous avez été quelques-uns quand même à tenter le coup, enfin à vous laisser tenter. À juste titre, parce que moi je trouve que c'est un jeu plutôt... Je vais pas dire excellent, mais pour moi c'est un très bon jeu honnêtement. Il y a quelques tares techniques qui n'ont pas été corrigées parce que les studios qui sont à l'origine du jeu, qui l'ont développé, ont fait faillite. À ce jour, les droits ne sont pas encore achetés. C'est toujours l'État du Rhode Island aux États-Unis qui possède les droits de la licence. Mais il y a certains éditeurs, certains développeurs qui sont intéressés, donc on a bon espoir quand même que ça, qu'une suite voit le jour. Donc après, affaire à suivre. Mais un très bon jeu, donc à part ces quelques soucis techniques, il y a un gameplay très plaisant, un contenu énorme. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore tenté, même si c'est une vidéo grand chelem, hein, donc je vous donne les conseils pour le platine, je vais vous spoiler peut-être un peu les équipements, les environnements, pas du tout le scénario, ni les quêtes, là-dessus soyez tranquille. Mais la liste des trophées fait que je suis obligé de toute façon d'expliquer un petit peu tout le système de jeu. Ce qui fait que pour ceux qui n'ont pas peur d'être spoilés pour les environnements, ben ça peut être une vidéo, pas une vidéo test, mais un bon aperçu déjà des possibilités du jeu. Donc pour ceux qui hésitent, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'ai prévenu un petit peu tout le monde. Donc après, à vous de choisir. Voilà, si vous voulez vraiment pas être spoilé de rien du tout, quittez la vidéo là, dans la seconde. Et puis on va continuer avec ceux qui restent. Bah donc on commence tout de suite, hein, vidéo grand chelem, vous connaissez le principe maintenant, je vous donne quelques conseils, pas les réponses. Pour avoir le trophée platine, j'ai mis à peu près 70 heures pour l'avoir en prenant vraiment mon temps, je pense qu'il faut au moins 50 heures pour avoir le platine. Alors, on a des trophées de différentes catégories, hein, pour l'instant. Bon, je spoile pas volontairement pour ceux qui étaient là au début et qui seraient partis tout à l'heure, mais on est dans un endroit qui est un petit peu spécifique, je vous l'expliquerai, c'est en rapport avec les trophées. Donc, on a 5 trophées liés au scénario, ça j'en parle pas comme d'habitude. Un trophée en plus pour terminer le jeu en difficile, très important. Si vous mourrez plusieurs fois, le jeu vous demandera si vous voulez passer en difficulté inférieure. Donc là, attention à pas le faire, hein, tout bête, mais bon, voilà. 5 trophées liés aux quêtes secondaires. Donc il y a des factions. Ça, je l'expliquerai un petit peu après, quoique, bon, on va le faire tout de suite. Quêtes secondaires, vous avez des quêtes secondaires basiques, que vous choperez partout sur la carte. Et vous avez des quêtes qui sont liées à des factions. Donc, je vais faire ça ici. Les quêtes principales, il n'y en a plus. Factions, il n'y en a plus non plus parce que je les ai terminées. Il y a 5 factions. Les balades, les chagrins, la scolia arcana, les pérégrins, les engagés. Les balades, c'est ce qui est en rapport un petit peu avec les elfes. Les chagrins, c'est des elfes aussi, mais des elfes de la nuit plutôt. Scolia arcana, c'est l'école de magie. Les pérégrins, c'est les voleurs. Et les engagés, c'est plutôt les soldats. Les mercenaires, un peu. Et donc, voilà, vous avez une sixième faction, mais qui n'est pas nécessaire pour les trophées. C'est une faction cachée, ça je vous en parle pas, je vous laisse la surprise. Donc, il y a seulement ces cinq factions-là, avec à chaque fois peut-être une petite dizaine de missions à terminer pour chaque faction. Donc, vous voyez, ça vous fait 40-50 quêtes déjà, rien que pour les factions. Et donc, voilà, c'est un gros contenu, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, il faut terminer toutes les quêtes de ces 5 factions-là pour avoir le trophée platine. Ensuite, vous aurez 12 trophées liés au combat, 15 liés aux compétences, 5 liés aux crimes que vous allez pouvoir commettre dans... C'est un monde ouvert, hein, donc vous pouvez ou non commettre des crimes. Donc il y en a 5 qui vous obligent à commettre des crimes. Et vous en avez 3 trophées qui sont liés au système de destinée. Donc ça, je vous expliquerai juste après. Et vous avez finalement 4 autres qui sont... je vais les éliminer tout de suite. Lire 50 livres, parce que vous pouvez choper des livres. Vous pouvez choper des livres aléatoirement, comme ça, dans des donjons ou dans des coffres.
donc il faut en lire 50. Un autre trophée pour détruire 1000 objets, donc ça peut être des vases, des pots, je sais pas si une chaise, je peux pas la détruire, mais bon voilà. Un trophée qui est caché, c'est parler à quelqu'un en ne portant aucun vêtement, donc tout simple, vous allez dans l'inventaire, l'armure, vous enlevez tout ce que vous avez d'équipé, vous allez vous retrouver en caleçon, vous parlez à quelqu'un, vous avez le trophée. Je vais essayer de dans les menus de pas trop spoiler les équipements pour ceux qui seraient restés éventuellement pour la présentation du jeu. Et puis le quatrième qui est un petit peu à part, c'est donc dépenser 200 000 pièces d'or. Donc ça vous l'aurez nécessairement, je pense, en vous achetant un petit peu d'équipement. Donc, je vais expliquer le système de jeu. Hein. C'est une longue intro. Je peux pas faire autrement. C'est vraiment pour vous expliquer. Et ensuite on se baladera un petit peu. Je vous montrerai 2-3 environnements. Donc, je vais vous expliquer le système de jeu. Le système de quêtes, ça, voilà, principal, faction, des quêtes secondaires en tout genre. Mais il y en a vraiment, hein, des tâches, ça c'est des quêtes un petit peu plus de longue haleine, des fils rouges. Et puis, voilà, terminé 134, et je suis loin d'avoir pris tout ce qu'il y avait. En bas. Le système d'expérience, la barre d'expérience, niveau maximal limité dans le jeu, c'est le niveau 40. Vous pouvez pas aller au-dessus. Ça, j'ai regardé, c'est confirmé. Il y a eu deux DLC quand même au jeu, qui offrent pas mal de contenu apparemment. Moi je les ai pas pris parce que, bon voilà, je suis déjà à 70 heures sur ce jeu-là, et puis voilà, je préfère garder mon pognon pour d'autres DLC. Mais même ces DLC-là n'augmentent pas la limite de niveau. Donc voilà, puis le fait, ben, comme je vous ai expliqué, les développeurs ont fait faillite, ce qui fait qu'ils peuvent pas, ils ont pas pu suivre le jeu, ils ont pas pu faire de mise à jour pour augmenter le niveau, ce que les joueurs demandaient, mais voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Donc à chaque fois que vous augmentez de niveau, vous pouvez augmenter des capacités et des compétences, et débloquer des destinées. Donc tout ça, c'est tout le système de jeu qui fait la force. En plus du gameplay, à mon avis, je vous ai dit, gameplay très sympa, gros contenu, mais en plus le système de montée de niveau est assez original et très bien pensé à mon avis. Donc on va avoir ça. Capacité. Ça fonctionne autour de trois arbres de compétences. Enfin, trois arbres de capacité, parce qu'il y a des compétences, c'est autre chose. Donc pour pas mélanger, là c'est vraiment des capacités. Divisé en trois catégories, la puissance, la finesse et la sorcellerie. Puissance, donc c'est tout ce qui est soldat, guerrier. Finesse, c'est plutôt ce qui est voleur. Finesse, donc c'est tout ce qui est arc, tout ce qui est attaque en infiltration. Voilà, des capacités un petit peu, voilà, très spécifiques. Et donc la sorcellerie, c'est tout ce qui est magie. À savoir que vous avez ici des capacités qui vous permettent d'augmenter les dégâts que vous faites avec un certain type d'arme. Là, c'est les bâtons magiques et les chakrams ou les sceptres. Les chakrams, c'est des espèces de... Moi, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est des espèces de disques volants, là. Alors, il faut savoir quand même que même si... Ce sont des compétences dans l'arbre de magie qui vous permettent d'augmenter les dégâts que vous faites avec. Vous pouvez très bien les utiliser en étant spécialisé guerrier, hein, il n'y a pas de problème. Et donc dans ces arbres de compétences, à chaque fois que vous augmentez de niveau, vous gagnez 3 points que vous assignez comme vous voulez. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est carré, ce sont du passif. Vous le voyez de toute façon dans la barre... Dans la partie droite, hein, qui explique, dans la partie explicative. Et tout ce qui est rond, ce sont des capacités actives, c'est-à-dire quand vous appuyez sur R1, vous avez ici des capacités, vous voyez en bas à droite, que vous pouvez assigner, que vous pouvez utiliser. Donc, moi par exemple, si je fais sur rond, voilà, c'est une capacité comme ça. Voilà, j'utilise aussi souvent mon squelette là avec le carré qui m'aide dans les combats. Donc, voilà. Ça, c'est des capacités actives. J'en parle ici parce que vous verrez tout à l'heure, il y a des trophées en rapport pendant les combats. Donc voilà, bon, ça c'est un sort de soin. Voilà.
Quand c'est de la puissance, c'est plutôt des trucs agressifs. Donc, séisme, je vous le montrerai parce que je l'utilise pas mal. Et puis de la finesse, bon ben là j'utilise pas beaucoup. Des choses qui permettent d'empoisonner vos armes, des pièges. Alors pièges, très important, je pourrais pas vous le montrer, mais voilà, ici ce sont des pièges. Il y a un trophée pour ça aussi. Donc pour tuer un certain nombre d'ennemis avec des pièges. Donc voilà, mais bon, sans ça, bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez aller parler à des personnages qui vont vous permettre de réinitialiser vos points de compétence et vos points de capacité. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé en une seule partie, vous pouvez vraiment le platiner, hein, il n'y a pas de problème. Ça coûte de plus en plus cher de réinitialiser vos compétences, mais vous pouvez le faire autant que vous voulez, tant que vous avez l'argent. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Si vous vous rendez compte que vous êtes trompé, si vous en avez besoin pour juste un trophée particulier, vous payez ce mec-là, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Donc, ce qui est important, c'est que vous voyez en haut, sorcellerie 41, puissance 39, finesse 40. En fonction des points que vous allez assigner, vous allez débloquer des destinées. Des destinées, en gros, ce sont les classes dans les autres jeux de rôle. Sauf qu'ici, c'est en fonction de l'arbre que vous faites, totalement personnalisé, que vous allez débloquer des classes. Donc ce système, il est plutôt intéressant. Vous avez des classes qui sont liées à la puissance uniquement. Je vous ai dit, hein, puissance, finesse, sorcellerie. C'est les trois arbres de compétences. Donc il y en a certains qui sont liés uniquement à la puissance, d'autres seulement à la finesse, d'autres seulement à la sorcellerie, etc. Et d'autres qui sont des hybrides de deux trucs, ou l'hybride des trois. Donc j'en parle tout de suite parce que lié à la destinée, vous aviez trois trophées. L'un, débloquer une destinée hybride de deux classes. Donc peu importe lesquelles. Je vais vous montrer dans ce que j'ai débloqué. Ici, par exemple. Alors non, c'est un mauvais exemple. Ici, c'est un hybride de deux classes. Le gardien, il suffit d'assigner 6 points en puissance, 6 points en sorcellerie, vous débloquez la classe gardien. Et ça vous donne voilà, les avantages qu'il y a en dessous. 25% des dégâts subis sont convertis en mana, etc. Donc ça, il y a un trophée pour en débloquer un hybride de deux classes et un hybride de trois classes. Ici, un hybride de trois classes. Voilà, deux dans chaque. Et le troisième trophée, c'est débloquer une destinée supérieure. C'est-à-dire, vous avez vu là, c'est marqué palier 0. Donc ça, c'est le truc de début, palier 1. Et ça monte jusqu'au palier 6. Je vous le montre de toute façon. Je vous montre. C'est visible dès le début du jeu, hein. Donc toutes les classes sont visibles et vous avez qu'à remplir les conditions en points assignés pour la débloquer. Mais c'est important de voir avant parce que sinon vous risquez de passer à côté du palier 6. Et donc voilà. Donc débloquer une destinée supérieure, c'est débloquer une destinée de palier 6. Donc je vous montre celle qui est hybride des trois. Parce qu'on a vite fait d'assigner trop de points dans un des arbres de compétences, et donc que celle-ci ne soit plus accessible. Encore une fois, vous pouvez payer un mec pour réinitialiser vos points, donc au pire, c'est pas trop grave. Mais voilà, donc là, c'est 37, 37, 37. Évitez d'aller au-dessus, parce que vous voyez, moi, j'étais à 39, 40, 41. Il n'y a pas beaucoup de marge. En étant niveau 39 sur 40, je vous ai dit 40 c'est le level maximum, donc il n'y a pas beaucoup de marge non plus, donc faites attention à ça. Et ça vous débloque bah, voilà, des points des avantages, en sachant que les destinées hybrides des 3 vous donnent des bonus surtout aux compétences. Vous voyez plus 3 à toutes les compétences, ça c'est très important. Pour certains autres trophées, c'est très utile en tout cas, mais encore une fois, c'est pas obligatoire pour faire le jeu. Vous pouvez très bien faire le jeu absolument comme vous voulez, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, le style de jeu que vous voulez, et ensuite vous payez un mec pour faire en sorte d'avoir cette destinée-là, et puis comme ça vous faites les trophées qui vous restent liés aux compétences, donc ceux que je vais développer juste après. Donc voilà, mais vous avez vraiment vous voyez, vous avez des classes pour tous les goûts. Ça, c'est sûr et certain.
Donc pour ceux qui sont uniquement guerriers, bah voilà, vous allez commencer en bagarreur, combattant, soldat, et puis je vous montre pas ce qu'il y a ensuite, mais voilà, guerrier, etc., c'est le palier 4. Vous avez du palier 6, quelle que soit la combinaison que vous choisissez. Les techniques, c'est les coups que vous allez débloquer. Bon, ça, j'en parlerai ensuite dans le combat. Situation, les compétences. Donc justement, voilà toutes les compétences que vous avez disponibles dans le jeu. L'alchimie, c'est la préparation des potions. Armurerie, c'est forge d'équipement. Observation, c'est tout ce qui est exploration. Dissipation, ce sont des types de coffres qui sont protégés par une malédiction, voilà, un espèce de truc magique. Donc c'est de la dissipation pour les... C'est comme du crochetage juste en dessous, sauf que le crochetage c'est vraiment une serrure. Là c'est la même chose, mais conjurer une malédiction, enfin voilà, c'est enlever le sort magique. Et donc plus vous mettez de points, plus c'est facile, en gros. Marchandage, c'est de la négociation avec les marchands. Persuasion, c'est pour influer sur le cours de l'histoire, du scénario. Donc ça, c'est très important. Je vais vous détailler juste après. L'art de sage, c'est confection de gemmes et de pierres précieuses qui vont vous permettre de... Enfin, que vous allez sertir dans des armes ou dans des armures. Et donc ça va vous donner quelques effets en plus. Et la furtivité qui vous permet de poignarder en gros dans le dos. Voilà. Donc, vous avez des trophées en lien avec tous. En gros, pour l'alchimie, il va falloir préparer une potion. Déjà en expérimentant. C'est-à-dire trouver une potion sans en avoir la recette. Donc ça, c'est pas très compliqué. En gros, vous tentez 2-3 trucs. Il y a des descriptifs des différents réactifs que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, vous allez en déduire ce que. Plus ou moins ce dont vous allez avoir besoin pour faire tel ou tel effet. Donc vous allez trouver très vite. Je vous donne pas la réponse, hein, voilà. Vous allez aussi avoir un trophée pour préparer une potion avec l'essence du destin. Ça, c'est un réactif très rare qui vous permet en gros de faire une potion supérieure. Voilà. Pour l'armurerie. Ah oui, si, pour l'alchimie, vous allez aussi avoir un trophée, c'est récolter 10 unités de chaque type de réactif possible. Donc je vais vous montrer dans l'inventaire. Vous avez des consommables. Non. C'est où? Objet. Sac de réactifs. Ici, voilà tous les réactifs que vous avez disponibles dans le jeu. Vous en avez 20. Donc vous voyez que voilà, il y en a de tout type. Sur les 20, l'essence du destin est un petit peu spéciale. Elle n'est pas obligatoire pour le trophée. Donc quand on dit récolter 10 unités de chaque réactif, c'est des 19 autres. Edelweiss, flocon blanc, lin marin, poussière de prismaire, etc., etc., etc. Donc voilà tous ceux qui sont possibles. Les réactifs, je sors vite fait, ce sont les plantes qui brillent comme ça c'en est. Ça, ce sont des réactifs. Donc ça, là, je suis dans une maison que j'ai débloquée au fil de l'aventure. Pas du scénario, mais des quêtes de factions. De toute façon, ça va vous spoiler juste après quand j'en sortirai. Mais donc voilà, ça, c'est des types de réactifs. C'est pour ça. C'est parce que c'est ma maison qui est justement liée à des quêtes d'alchimie, etc. Ce qui fait que j'en ai ici de disponibles. Donc vous faites croire, récolter. Vous avez un certain taux de chance. De récolter quelque chose. Plus vous mettez de points en alchimie, plus vous avez de chances d'en récolter. Donc voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des types de réactifs. Vous en trouvez un peu partout dans le monde, le long des routes, dans les donjons. Donc prenez l'habitude de récolter. Et vous allez très vite avoir. C'était dans l'inventaire. Vous allez très vite avoir les 10 de chaque. C'est la poussière de Prismer qui est le plus rare et qui est vraiment vers la fin du jeu. Ce qui fait que, à mon avis, c'est vraiment ça qui risque de vous manquer sur la fin, si vous n'avez pas si vous n'avez pas le trophée au cours du scénario. Donc moi, bah, c'est ça qui me manquait. Je suis retourné dans la dernière zone du jeu, et puis j'en ai ramassé quelques-uns, et voilà, j'ai eu ça très vite. Donc voilà, le reste, il y en a vraiment partout. C'est pas très compliqué. Faites quelques quêtes secondaires.
Prenez votre temps et il ne devrait pas y avoir de problème pour ce trophée-là. Je retourne dans les compétences, situation, compétences. Armurerie. Un trophée pour réparer une pièce d'équipement. Donc ça peut être soit en armurerie, soit rencontrer des gens qui vous le font, soit dans les objets. Vous avez des kits de réparation, vous en sélectionnez et vous pouvez réparer votre équipement. Donc voilà, rien de spécial. Ensuite, toujours pour l'armurerie, vous allez avoir fabriqué une pièce d'équipement. Donc tout simple. Et fabriquer une pièce d'équipement avec les 5 emplacements de la forge. Avec les 5 emplacements de la forge. Donc je vais vous montrer en même temps. Ça c'est pas ça. Ça c'est pour l'alchimie. Donc je vous disais tout à l'heure, en expérimentant, préparer une potion et sinon préparer. Et là, préparation, c'est avec toutes les recettes que vous avez déjà glanées, soit au cours du scénar, soit en achetant auprès des marchands. Je vous montre pas parce que sinon je vais vous spoiler. Les recettes, et donc vous pourrez plus expérimenter. Enfin, vous aurez déjà la réponse. Ici, c'est la forge. Donc, la forge, vous pouvez démanteler vos armes existantes pour récolter en gros des pièces détachées et vous fabriquez. Vous voyez qu'il y a 5 emplacements. Donc, en fonction de ce que voilà, un bâton, donc c'est d'abord un manche, des rivets, je sais pas trop quoi, du tissu pour la garde. Ou pour le voilà des et puis le dernier emplacement c'est en gros des gemmes que vous allez pouvoir sertir dedans et ces gemmes là il faut en avoir donc les gemmes c'est avec les ateliers de pierre là comme ça l'artisanat de sage donc l'artisanat de sage c'est une autre compétence qui vient ici donc j'en parlerai juste après donc une arme en utilisant les 5 emplacements. Ensuite, observation. Donc là, pour l'observation, rien de spécial. Simplement des trophées liés à l'exploration. Donc là, il faut découvrir sans lieu, mais en vous approchant, même sans avoir de points dans l'observation, ça le découvre. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de points ici. Par contre, il faut découvrir 25 choses cachées. Donc vous avez vu ici hein, dans les compétences, à chaque fois qu'il y a un petit symbole comme ça vous donne un petit bonus supplémentaire. Là, les trésors cachés sont indiqués sur la mini-carte. Donc voilà, donc dans les 25 choses cachées, ça peut être des trésors. Donc vous avez besoin d'au moins 2 points pour ça. Ça peut être des portes cachées. Donc ici par exemple, désarmer les pièges, on s'en fout. Les portes secrètes sont indiquées sur la mini-carte. Voilà. Donc vous avez besoin d'au moins 5 points pour les portes. Et ce qui est très important, c'est les trésors et les pierres des anciens apparaissent sur la mini-carte. La pierre des anciens, vous avez un trophée pour découvrir toutes les pierres des anciens. Donc les pierres des anciens, je vais vous montrer ça en même temps ici. Pierres des anciens, vous en avez, donc là 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, vous en avez une bonne centaine, hein, je pense. 5, 10, 15, 20, 25, mince, j'ai manqué. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Même là, il y en a 10. Donc, à peu près 5 fois 30, 150, un peu plus. 160, 170 pierres à peu près. Vous voyez, donc, il y a de quoi faire. Et à chaque fois que vous réussissez une famille, c'est-à-dire 5 sur 5, dans telle ou telle région, Odarath, c'est une région du jeu, vous avez un bonus. Donc, voilà, en rapport. 6% mana, 4% de santé, etc. Donc les pierres des anciens sont disséminées sur des. Ça peut être dans des donjons ou alors dans le monde comme ça, dans le monde ouvert. Vous pouvez les trouver sans, mais ce sera compliqué de toutes les trouver sans avoir la compétence d'observation au max. Petite parenthèse, là vous voyez qu'ici, j'ai plein de cases qui sont en vert clair. Ce qui est en vert clair, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec ma destinée, j'ai plus 3 à toutes les compétences. Donc c'est ce qui me permet de, vous voyez, j'ai tout à fond. En ayant assigné que des points que à ce qui est en gris. Donc voilà, ça me permet de vraiment tout avoir à fond, d'avoir cette destinée-là. À noter aussi que vous allez rencontrer des personnages dans le monde qui vous proposent une formation. En gros, la formation, vous payez une formation, ça vous donne un point dans la catégorie en rapport avec cette formation-là.
Donc la formation, par exemple, ça peut être ce type-là vous forme en armurerie niveau 1 à 4. C'est-à-dire que si vous êtes déjà niveau 5, le gars ne vous formera pas, elle sera bloquée. Voilà, au pire, si vous voulez vraiment le faire, encore une fois, vous payez le mec qui réinitialise, vous allez voir le gars qui vous forme, et ça vous fait déjà un point bonus. Donc, la formation, je vous le conseille, parce que il y a ma destinée qui me permet de tout avoir à fond, mais il faut penser aussi que j'ai au moins 5, 6, 7 points, je ne sais plus combien exactement, qui sont liés à de la formation, que j'ai eu grâce à de la formation. Donc j'aurais pas tout à fond si j'avais pas fait ces formations-là. Donc ensuite, observation, c'est bon. Dissipation, il faut en réussir 50. Augmenter les points facilite les choses, c'est tout. Crochetage, c'est la même chose, faut en réussir 50. Ça facilite les choses d'augmenter les points là-dedans. Marchandage, il n'y a rien de spécial ici. Enfin, il n'y a pas de trophée. Mais voilà, ça vous permet d'acheter moins cher, de vendre plus cher. Persuasion, très important. Il faut en réussir 50. Les persuasions, c'est au fil du scénario. Pendant les dialogues, vous allez avoir des occasions de persuader votre interlocuteur pour influer sur l'histoire de la quête. Ça peut être dans le scénario principal, il y en a pas mal. Mais à la fin du scénario principal, vous avez que 20 occasions à peu près, 20-25 occasions maximum. De persuader. Donc en admettant que vous les réussissiez toutes, il vous en manque encore 25. Donc après, c'est quête de faction, il y en a, et quête secondaire, pour en avoir 50 au fur et à mesure. Donc ce que je vous conseille, comme il y en a assez tôt dans le scénario, et qu'il y a finalement au total, avec toutes les quêtes secondaires, j'ai regardé un petit peu sur internet, parce que j'ai pas fait toutes les quêtes secondaires, mais au total, il doit y avoir à peu près 80 occasions de persuasion. Donc c'est en gros le seul. Si vous faisiez par exemple que les quêtes secondaires, il pourrait vous en manquer. Donc c'est le seul trophée qui peut être manqué dans tout le jeu. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre le plus tôt possible les points de compétence en persuasion. Le reste, vous en avez pas besoin ou vous pouvez payer. Mettre des points et le faire après avoir fini le jeu, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la persuasion qui peut être manquée. Donc je vous conseille tout de suite de mettre les points à fond en persuasion. Art de sage, ce sont les pierres. Donc les pierres que vous pouvez sertir. Donc vous avez un trophée pour fabriquer une gemme de légende. Donc en gros, il faut être à fond. Vous avez un trophée pour créer une pierre parfaite. Donc là, faut pas forcément être à fond, je crois. Non, faut pas forcément être à fond. Voilà, vous pouvez créer des gemmes de légende, c'est ici. Et les pierres parfaites, je sais plus. Mais bref, c'est pas forcément lié à ça, mais vous en aurez besoin de toute façon d'au moins, voilà, 1, 3, 4, 5, 7, 8 points. Et ensuite, c'est tout par rapport à l'art de sage. Je vais vous montrer sur l'autel ici. Donc, sertir des gemmes, créer des gemmes, dessertir des gemmes. Donc voilà, c'est tout simple, hein, créer des gemmes. Et ici, très important, renforcer des pierres. Donc avec plusieurs, là vous voyez, j'ai des pierres parfaites. Mais vous pouvez avoir des pièces nébuleuses. La qualité au-dessus, je sais plus ce que c'est. Chatoyante, voilà, c'est ça. Et puis au-dessus, c'est parfait. Donc en fait, vous faites renforcer des pierres, vous sélectionnez ici, ça en prend deux pour mettre à la qualité d'au-dessus. Et donc, voilà, nébuleuse. Donc vous en prenez deux chatoyantes, et ça vous fait une pierre parfaite, hein. C'est tout simple. Et ensuite, créer des gemmes. Pour créer une gemme de légende, il vous faut des pierres parfaites. Deux pierres parfaites pour en créer deux, voilà. Pour en créer une pour une gemme de légende. Ensuite, il me restait une compétence à voir. La furtivité, vous avez juste un trophée pour poignarder 20 ennemis dans le dos. Augmenter les points, en fait, ça réduit le champ de vision des adversaires, ce qui fait que ça augmente vos chances. Voilà. Donc, bref, tour du menu super long, désolé, mais je pouvais pas faire autrement.
Donc là, j'ai expliqué tout. Pierre des Anciens, c'est fait. Les statistiques, si vous voulez voir où vous en êtes rendu pour certaines choses, par exemple les lieux découverts, 140, vous voyez, il en faut 100, protection dissipée, etc. Vous avez un petit peu tout ici. Je n'y reviens pas, enfin je m'attarde pas là-dessus. Ensuite, ben, c'est tout. Je vous montrerai la carte. Mince, là c'est la carte seulement du lieu où on est. Voilà la carte du monde. Alors, c'est juste énorme. Faut bien penser que ici on est dans la ville qui est grande, et on est seulement dans un bâtiment de la ville, etc. Non, mais là c'est vraiment un monde assez gigantesque. Donc, dans chaque région, enfin, vous avez cinq régions. Une première ici, une deuxième ici qui est plus des plaines, troisième désertique, quatrième ici plus marécageuse, on va dire, et ici un petit peu plus. Voilà, ça c'est la dernière zone du jeu. Donc voilà, cinq grandes régions avec des zones à chaque fois, vous voyez. Hein, bon, c'en est une première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Plus une grande ville, une espèce de capitale dans chaque région. Une capitale ici, une autre ici, là on est dans celle-ci. Voilà, donc vous en avez une à chaque fois. Bon, je vais pas tout vous spoiler. Donc vous avez des lieux partout, c'est colossal. Et toutes les icônes que vous voyez, ce sont soit des villages, soit des donjons. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup et je ne les ai pas tous découverts. Hein. C'est important de le dire encore, je ne les ai pas tous découverts. Donc bah, du coup, voilà. Bon, il m'en manque pas beaucoup, hein, faut reconnaître. Mais voilà, je suis loin de les avoir tous visités. Je suis à 70 heures de jeu. J'ai fait de fond en comble la première zone et c'est tout. Ici, je dois être à peu près à 80%. Là, je suis qu'à 30% des quêtes. Ici, je suis qu'à 10% des quêtes. Ici, je suis à 5% des quêtes. Donc voilà, à 70 heures de jeu, je suis sûr qu'il y en a au moins pour 100, 120, 130 heures facile pour terminer le jeu. Il y a du contenu. Le contenu est énorme, hein, je vous avais dit. Voilà, c'est un jeu. Je vous le conseille, hein, de toute façon. C'est assez colossal. Donc. Ici, on est dans bon voilà la maison d'archissage. Voilà, je vous spoil. Juste pour ça, c'est la maison en gros qu'on gagne à la fin d'une des factions. C'est tout. Je vous en dirai pas plus. Enfin, si, j'ai juste vous dire pour ça, c'est la maison qu'on gagne en tant qu'archissage, c'est-à-dire la faction. Je vous ai dit la Scholia Arcana, l'école de magie, en gros. Dès que vous complétez toutes les quêtes, vous devenez l'archissage de cette école de magie, voilà, et donc voilà, vous débloquez ça, donc la sortie est par là. On va y aller. Voilà, je bois quelques gorgées d'eau parce que ça fait un moment. Voilà. Donc, restent les trophées liés au combat et au crime. Le reste, on a tout vu. Bon, j'espère que ça n'a pas été. C'est vrai que, voilà, je vous l'ai dit, c'est. Alors, tenez. Juste derrière, ici sur la carte, vous voyez, il y a un espèce de petit symbole d'épée. Ce sont ces symboles-là qui sont les personnages qui vous proposent une formation. Donc là, comme j'ai tout à fond, évidemment, ce sera bloqué. C'est où la sortie là? Voilà. Bon, techniquement, voilà. C'est pas ce qui se fait de plus beau, mais il y a un cachet. Côté artistique, côté design, c'est plutôt sympa. Donc oui, j'espère, bon, voilà, le tour de tous les menus, de tout le système de jeu a été long. J'en suis désolé, mais c'est vrai que j'étais obligé. Alors regardez, on est dans l'académie de magie, dans la cour principale. Encore une fois, techniquement, bon, je vais pas dire que c'est à la ramasse, mais c'est loin de ce qui peut se faire de plus beau, c'est sûr. Par contre, côté design artistique, il y a un cachet qui est original et très sympa. Moi, je trouve très réussi. Vous voyez tout le tas de réactifs.
Ici, ils en cultivent. Voilà, il y a tous les personnages secondaires vaquent à leurs occupations. C'est plutôt sympa. Là-bas, on a des étudiants, des apprentis magiciens qui s'entraînent. Voilà, c'est sympa. Il y a il y a pas mal de choses. Moi, je trouve ça, en tout cas, artistiquement super réussi. Et là, on est dans un. Je pense que je peux me téléporter à partir d'ici. Je vais éviter de vous spoiler la ville. Je vais essayer. On va se téléporter. Dans la. Mince, non, je ne peux pas. Je suis obligé de sortir d'ici. Donc, je vais vous spoiler peut-être un petit peu la ville. C'est une des capitales sur les 5 ou 6 différentes possibles. Bon. Voilà, c'est pas. C'est pas trop grave. On va partir d'ici, normalement ça devrait pouvoir le faire. Bon, voilà, y a des fois un peu de lag. Il y a du clipping, ça c'est sûr. C'est pas un bug hein, ici, c'est que le personnage est en surbrillance. Hein, c'est pas. Ce n'est pas un bug, vous voyez, ça se met en surbrillance pour voir un petit peu où vous pouvez interagir. Donc voilà, encore une fois, c'est une réussite artistique pour moi, je trouve. Plus que technique, hein, c'est sûr et certain. Voyez, bon. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de profondeur de champ. Bon, faut expliquer aussi que c'est une ville qui est très. On peut pas voir, mais les bâtiments sont très hauts, vous voyez, on voit un petit peu en bas des décors. Mais voilà, bon. Il y a des limites techniques, c'est sûr. On va essayer de se téléporter cette fois-ci. Là, ça marche. Donc, bon, les 5 régions sont très diversifiées. Question environnement. Je vais essayer de vous en montrer 2-3. Un environnement désertique, un environnement plutôt forestier, les plaines. Voilà, bon, c'est pas. Ici, vous voyez, en plus, là, on est en plein jour, donc ça, c'est sympa. Voilà le type de village aussi qu'on peut avoir. C'est. Moi, j'aime bien, honnêtement. C'est très sympa. C'est. Non, franchement, je vous le conseille. Pour ceux qui l'ont pas fait, mais courez dessus. Hein. C'est. Il doit se trouver vraiment pas cher, une quinzaine d'euros maintenant. Donc, c'est super sympa. Il faut accepter les quelques soucis techniques, mais bon. À part du clipping, la musique qui des fois ne se déclenche pas quand vous entrez dans une zone. À part ça, il n'y a pas grand chose à déplorer. Quelques bugs, les armes qui traversent le sol quand vous êtes sur un sol en pente. Voilà, mais c'est pas dérangeant en soi. Alors, on va expliquer quand même les derniers trophées. Donc, les trophées liés au crime. Vous en avez, donc là j'appuie sur R2 en fait pour me mettre en furtif. Là, l'icône est rouge parce qu'en gros ils m'ont grillé. Mais c'est pas toujours le cas, tout le monde m'a grillé parce que je suis en plein milieu de la danse ici, donc voilà. Mais c'est important justement. Vous avez un trophée pour voler et receler un objet. Donc quand vous appuyez sur croix pour faire un vol à la tire, vous voyez les options qui s'offrent à vous. Pour l'instant, je suis pas grillé. J'ai appuyé sur vol à la tire, mais je suis pas grillé. Là, en gros, vous avez l'objet avec, entre parenthèses, le pourcentage de chance que vous avez de vous faire prendre, enfin de vous faire griller. Donc là, 100%, si je le fais, je suis grillé direct. Donc, vous avez un trophée pour voler et receler un objet. Donc, il faut le voler. Receler, tout simplement, ça veut dire le vendre alors que vous l'avez volé. La plupart des marchands ne l'accepteront pas. Par contre, vous avez des marchands qui sont dans la faction des voleurs. Voilà, bon, ça c'est logique. Qui voudront bien les prendre et qui le recèleront eux-mêmes. Donc voilà. Vous avez commettre 20 vols à la tire. Donc à chaque fois, c'est des trophées. Hein. Un trophée pour commettre 20 vols à la tire. Réussir 20 vols à la tire. Donc là, c'est sans vous faire prendre. Vous en avez un autre pour s'évader de prison. Donc là, je vous expliquerai. Ben, on va le faire tout de suite. Se faire surprendre 25 fois. En train de commettre un crime. Donc là, on va le faire. Hop, je suis grillé. Le garde vient me voir. Et vous avez plusieurs options. Soit je paye l'amende. Donc ça, c'est des pots de vin. Vous avez un autre trophée. Je le fais pendant qu'on y est. Dépenser 10 000 pièces d'or en pots de vin.
En fonction, là, vous voyez, l'amende, elle est de 943 à gauche. En fonction de la gravité du crime, vous allez devoir payer plus ou moins. Ça se cumule, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous payez l'amende. Voilà, là, c'est ce que je vais faire. Ou alors, vous pouvez aller en prison. Donc ça, vous choisissez de le faire pour... il va falloir le faire de toute façon, parce qu'il y a un trophée pour s'évader de prison, hein, comme je vous le disais juste avant. À savoir que dans les donjons, parfois, vous pouvez aller voir dans la prison quand vous n'êtes pas recherché, essayer de voler la clé au mec, ensuite faire un crime, aller en prison, puis comme ça vous utilisez la clé pour vous évader. Et opposer de la résistance, ça c'est en gros le combat contre les gardes. Attention, les gardes sont souvent très costauds. Donc là on va payer l'amende, on s'en fout. On paye l'amende, c'est un pot de vin, les crimes sont pardonnés, et voilà, on n'est plus recherché du tout. Donc voilà. Donc pour les crimes, j'ai fait le tour. Voler, commettre 20 vols à la tire réussi, s'évader de prison, se faire surprendre 25 fois en train de commettre un crime. Le plus simple, c'est un petit vol à la tire tout pourri, voilà, comme ça l'amende elle est pas trop forte. Et dépenser 10 000 en pot de vin, justement. Voilà. Ensuite, les combats. Alors c'est le gros morceau. Donc on va y aller. Pour ceux qui ont tenu jusque-là, je vous remercie. C'était pas mal parce qu'on est déjà à 40 minutes, je pense, d'explications sans beaucoup de gameplay. Mais bon, c'est l'inconvénient aussi de ce type de vidéo, hein. C'est pour ceux qui seraient éventuellement bloqués. Mais en même temps, c'est une vidéo, un petit peu une vidéo test. Enfin, c'est un peu dans le même genre. Donc, là, alors, je vous parlais du gameplay. Là, moi, j'utilise beaucoup les chakrams. Parce qu'ils me permettent d'avoir une certaine distance avec l'adversaire. Bon, ça rame un peu, vous voyez. Hop, mais il faut pas qu'il rompe pour faire une esquive. La touche L1 pour faire une parade. Voilà. Vous avez plusieurs coups, hein, que vous débloquez en fonction des points que vous mettez dans ces armes-là. Donc, vous avez vraiment pas mal de coups, et ça avec toutes les armes. Donc, après, ça dépend des armes dans lesquelles vous êtes spécialisé. Bon, rien de vraiment spécial. Donc, pour le combat, vous avez. Alors, je vais prendre plein d'ennemis parce que je vais avoir besoin de. Je vais mettre. Mon squelette qui va m'aider. J'envoie les sorts. Là, ça les stun en même temps. Hein. C'est une amélioration de mon sort qui permet de les stun. Donc là, je suis en niveau difficile. Hein. Quand vous avez bien augmenté vos capacités, vos sorts, etc., c'est très faisable, hein, honnêtement. J'ai commencé dès le début en difficile. À part sur des quêtes secondaires où manifestement j'avais pas le niveau, mais on vous prévient pas. Ça fait partie aussi du jeu. À part là, je suis mort que très rarement. Donc, rien de spécial. Donc, au niveau des combats, vous avez un trophée pour tuer 25 Niscarous. Ça, ce sont des ennemis un petit peu spécifiques que vous rencontrerez en gros la plupart du temps. Ah, vous voyez, je vous parlais du bug. Là, mes armes traversent le sol parce qu'on est sur un poste, sur un sol en pente. Et donc ça va pas toucher vos adversaires. Bon, c'est un petit bug. C'est pas très dérangeant. Il suffit de, voilà, vous vous mettez un petit peu plus vers le haut. Voilà, vous attaquez comme ça. Un petit réactif, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Alors eux, s'ils vous touchent, ils vous chopent des points de magie, donc faut faire un petit peu gaffe. Bon là, je suis dans une zone où on y arrive plutôt vers le niveau 20, hein, donc là je suis assez tranquille. Mais ils augmentent la force, ils adaptent un petit peu la force des ennemis quand vous montez de niveau pour que vraiment ce soit pas la balade non plus. Pour que vous one-shotiez pas tous les ennemis, quoi, parce que sinon ce serait vraiment pas drôle de revenir pour les quêtes secondaires, donc... Mais voilà, donc 25 Niscarous, ce sont des ennemis un petit peu spécifiques que vous rencontrerez dans le scénario. Ça, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il n'y a pas de problème pour celui-là.
Ensuite, tuez un ennemi ayant 4 niveaux de plus que vous. Comme le niveau maximum est le niveau 40, vous ne pourrez faire ce trophée que jusqu'au niveau 36. Et la seule chance, c'est dans ce cas, quand vous êtes assez avancé, c'est d'aller vraiment dans les dernières zones du jeu. Ou alors d'aller dans des zones de toute façon avancées quand vous êtes dans un bas niveau. Il y a une astuce, mais je vous laisse regarder sur internet pour ce trophée-là. Il y a une astuce qui consiste en gros à charger la partie juste après l'initiation. Voilà. Celle-là, ça vous le garde à chaque fois. Vous ne pouvez pas l'écraser en sauvegardant, par exemple, parce que celle-là n'est pas affichée quand vous sauvegardez. Par contre, en chargeant, elle y est. Donc, en prenant cette sauvegarde-là, je vous laisse aller voir la vidéo sur internet. Il suffit d'aller dans la prison qui est assez proche, de libérer un prisonnier et de le buter. C'est une astuce assez simple à faire. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Encore une fois, allez sur internet, je vais pas vous le montrer parce que ça va rallonger la vidéo pour rien du tout. Ça prendrait tout de suite un quart d'heure pour vous le montrer. Donc, voilà. Puis, il y a déjà des vidéos qui le montrent. Donc, j'en parlerai pas plus. Un trophée pour tuer 50 bandits, rien de spécial. Vous en trouverez partout. Un trophée pour trouver 10 armes uniques laissées par des ennemis. Mon squelette est parti, donc je vais le remettre. Si, point important. Vous voyez que les ennemis. Alors, les armes uniques, je vais en parler tout de suite, comme ça sera fait. Les armes uniques. Il faut savoir que vous avez plusieurs échelles, plusieurs rangs de rareté des objets. Vous avez d'abord le truc blanc, tout simple, pourri, en gros. Le truc vert ensuite, qui commence à être un petit peu pas rare, mais voilà. Le bleu, c'est rare. Et le violet, c'est unique. Et ensuite, vous avez le orange qui est légendaire. Donc, qu'est-ce que j'ai? On va aller. Bon. Là, moi, j'ai du unique à chaque fois, hein, quasiment. Donc, voilà, c'est des armes violettes, dont le nom est violet, que vous trouvez sur les ennemis. Il faut en trouver 10. Donc ça, ce sera fait rapidement, hein. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Ensuite, ah oui, alors voilà, j'en profite pour vous montrer. Voyez, ça, c'est une zone, là. Toute cette zone-là. C'est une zone, c'est cette zone ici. Et vous voyez, donc ce périmètre-là, je vais essayer de zoomer, ce périmètre-là. Voilà. Et donc vous imaginez la taille du truc. En sachant que les icônes, je vous ai dit, ce sont des grottes, des donjons, et donc ça rajoute en plus à la surface du truc, hein. Donc, puis c'est pas des petits donjons, hein, c'est des. Bon, il y en a qui sont petits, mais il y en a qui sont de taille plutôt conséquente. Donc, il y a vraiment un énorme contenu, c'est vaste, honnêtement, c'est un super bon jeu. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, les 10 armes uniques. Sans parade, donc là c'est tout simple. Sans parade avec votre bouclier, touche L1. Alors. Quand vous faites L1 comme ça, c'est juste un blocage. Pour que ça fasse une parade, il faut faire juste avant l'attaque de l'adversaire. Ça, j'en ai fait une tout à l'heure. Ça, petite parenthèse, c'est une pierre des anciens qu'il faut trouver. Là, elle est éteinte. Normalement, elle brille quand elle n'est pas activée. Là, elle est activée, ça le met comme ça en grisé. Alors, pour montrer que je l'ai déjà, quoi. Je vais en profiter pour aller dans une autre zone, hein, pour vous montrer pendant qu'on y est. On va aller à Canrock, c'est bien Canrock. Ça se montrera d'autres ennemis, un autre environnement. La vidéo commence à durer un petit peu, je vais essayer de me presser, mais bon, là il reste 5-6 trophées à vous montrer, c'est tout. Donc là, on est dans une petite zone infestée en gros par les araignées, dans une forêt un petit peu sombre. Donc, voyez, ça, bon, question environnement, ça change un petit peu hein, quand même. Donc, je parlais des parades, voilà. Donc, on va choper des ennemis quelque part.
Si c'est des araignées, je pense pas pouvoir faire une parade dessus, c'est une bonne idée. Voilà, là j'ai fait une parade, vous voyez qu'il y a un petit ralenti. Bon là, ils tissent leur truc. Voilà, là j'ai fait une parade. Donc il faut en faire 100 pour avoir un trophée. Ensuite, bon je vais refoutre ça. Tiens, soit tu prends un sort. Voilà, bon bah là c'est une zone encore moins avancée dans le jeu, ce qui fait que là je l'ai one shot presque, hein. Ouais, je l'ai one shot. Donc on va faire comme ça pour essayer d'augmenter mon destin. Je vous ai pas expliqué ça quand même. En haut à gauche, la barre rouge, la barre de santé, barre violette, la destinée, et bleu, la jauge de magie. La destinée, je vous en parlerai après, c'est parce que j'en ai besoin pour le dernier trophée dont je vous parlerai. Il faut que ma barre soit remplie, donc c'est pour ça il faut que je bute quelques ennemis. Ensuite, 25 ennemis avec des pièges, c'est ce que je vous disais quand j'étais sur l'arbre des compétences tout à l'heure. Il y a des compétences ici, ce sont des pièges. C'est dans l'arbre des voleurs, enfin de je sais plus comment ils appellent ça. De finesse, voilà. Donc ici, ça ce sont des pièges là, voilà. Pièges de givre par exemple, c'est avec ça que je l'ai fait. Ensuite, 25 attaques spéciales après la parade. Après les parades. Donc après une parade, voilà, vous pouvez une attaque spéciale que vous pouvez faire qu'avec certains types d'armes. C'est important parce que les seules armes avec lesquelles vous pouvez faire, ce sont les épées, les marteaux et les lames faillées, je crois. Les espadons aussi. Mais en tout cas, les seules armes que vous pouvez pas, ce sont les arcs et toutes les armes de spécialisées dans la magie, comme les chakrams. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc 25 attaques spéciales. Pour pouvoir le faire, il faut débloquer ici. Après une parade technique, attaquer avec la dague pour porter une série de coups rapides. Non, ça c'est les dagues. Je crois qu'il faut être niveau. Non, c'est ça. Ça doit être dans la puissance. Ici. Après un, attaquer un. Après une parade, voilà. Attaquer avec l'épée longue pour effectuer un bel enchaînement. Avec l'espadon aussi. Avec le marteau aussi. Donc il faut avoir des points dans ce niveau 4. Vous voyez que moi je n'en ai pas. Mais c'est un autre avantage de la destinée que j'ai à fond, qui est hybride des trois. C'est que en plus, ça vous débloque tout. Les coups, toutes les tous les coups possibles avec toutes les armes. C'est-à-dire, en gros, comme si j'avais un point dans chaque ici. Ça n'augmente pas les dégâts, mais ça me débloque les coups. Donc dans les techniques, j'ai tout débloqué, voyez. Donc c'est un autre avantage de ma destinée. Elle est vraiment bien utile, c'est celle que je vous conseille. Bon, par contre, vous n'avez pas forcément... Enfin... Par extension, vous n'avez pas accès aux sorts les plus puissants de chaque arme, hein. C'est logique. Mais voilà, bon ben vous avez des avantages pour les coups disponibles et pour les compétences. Il faut en réussir 25 attaques spéciales comme ça après une parade. Ensuite, sans enchaînement d'attaques complet. Donc là, en gros, c'est les combos comme ça. Hop, là, voilà, j'en ai réussi un. Donc faut savoir, dans le combat comme ça, vous avez des coups avec la touche carrée, parce que vous assignez une arme principale et une arme secondaire avec les triangles. Vous pouvez combiner les deux. En sachant que moi, le marteau est très lent, ce qui fait que c'est difficile ensuite à faire un combo avec l'autre arme. En assignant deux armes rapides, vous pourrez faire des combos sans problème. Ensuite... Donc sans enchaînement d'attaque complet. Donc voilà. Par exemple avec les chakrams. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ça c'est un enchaînement d'attaque complet. Sans ennemi. Tuer sans ennemi avec vos capacités. Donc les capacités, c'est en bas à droite avec la touche R1 plus une touche. Donc
avec le squelette, si le dernier coup est porté par le squelette, si ça les tue, ça compte. Si c'est des armes magiques, ça ne compte pas. Donc voilà, donc avec mon sort comme ça compte. Donc j'ai essayé de... J'en fais un depuis tout à l'heure. De toute façon, il faut que je fasse grimper ma jauge. Salut. Ouais, je l'ai one shot. Là, je suis vraiment dans une région du début du jeu, donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, ça c'est un sort de l'arbre attaque, de l'arbre guerrier. Vous voyez, il sort des trucs. Bon, c'est sympa encore une fois, il y a quelques effets. Et j'espère dans ma... Au final, là, parce qu'il y a, y a un petit truc spécial, c'est le système des destinées. Hein. Vous avez vu, ce sont les classes, mais ça joue aussi dans le gameplay. En gros, la jauge violette, je vous ai dit, c'est la jauge de destin que vous remplissez quand vous butez les ennemis avec des armes magiques ou avec vos compétences. Que ce soit, voilà, les compétences, c'est toujours de la magie, hein, de toute façon. Donc là, vous voyez, ça m'a fait plus 5 à gauche, hein. Plus 5, un espèce de truc violet. Là, plus 2. Voilà, parce que je les tue avec des compétences. Et donc, ça augmente ma jauge de destin en violet. Encore plus 5, j'ai laissé le squelette le faire. Et donc, quand, une fois qu'elle est remplie, vous pouvez entrer dans une espèce de transe. Et cette transe-là va vous permettre de ralentir le temps pour buter des ennemis. Et ensuite, quand vous allez sortir du mode, ça va tuer tous les ennemis. Mais vous allez voir ça. J'espère juste, voilà, en gros, à la fin, quand vous sortez de ce mode-là, dans ce mode, de ce mode transe. Ça fait une mise à mort un petit peu plus stylée, on va dire. Et donc, ça en fait en fonction des armes, ça en fait aléatoirement. Il y en a qui sont plus classes que d'autres. J'espère que celle que ça va faire sera un peu plus classe pour vous montrer. Mais celles qui sont contre les boss sont toujours très classes, en tout cas. Donc là, on n'est pas très loin. Ensuite, sans enchaînement... Oui, sans ennemis avec vos capacités. Important, il y a un autre trophée où c'est 500 ennemis avec les capacités. Donc si vous prenez l'habitude de tuer tous les ennemis avec vos armes, c'est vrai que ça risque de rester à la fin. Vous allez être obligé de voilà, vous balader comme je le fais là, sans grand intérêt. Voilà, à l'arrache, tuer des ennemis comme ça que vous one-shottez avec vos capacités pour avancer les stats, quoi. Donc c'est pas très très passionnant. Essayez d'y penser le plus tôt possible. Ah voilà, ma jauge est pleine. Et un troll en plus, la mise à mort doit être assez sympa. Donc je vais en profiter. Je vais me le garder pour celui-ci. Bon, je l'esquive en attendant pour gagner du temps. 500 ennemis avec vos capacités, hein. Y a un autre trophée en combat, c'est tuer 5 fois, toucher 5 fois un ennemi qui est en l'air. C'est un trophée de jonglage. Bon, bah, il y a plusieurs façons de le faire. Avec l'épée, c'est facile. Avec les chakrams, voilà, cette compétence-là, c'est facile aussi. Voilà, rien de spécifique. Faut vraiment le toucher 5 fois pour avoir le trophée. C'est très simple. Ensuite, 5 fois de suite, j'en ai parlé. Ben voilà, c'est tout. Donc, il reste plus que 5 ennemis en une fatalité. Donc là, l'ennemi se barre. Je vais le réattirer. Voilà. 5 ennemis en une fatalité. Ce qu'on appelle fatalité, justement, c'est ce mode transe que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, en gros, quand vous avez la barre violette pleine, vous appuyez sur L1 et R1, vous restez enfoncé comme ça. Hop, mode transe. Et ici, ça ralentit le temps. Vous avez du temps pour buter un petit peu tous les ennemis. Vous voyez que la jauge se vide petit à petit. Là, j'en ai qu'un, mais c'est pour vous montrer. Vous l'entamez comme ça. Voilà, et là ça m'écroît parce que je peux faire la mise à mort. Donc on va faire la mise à mort. Hop. Vous appuyez sur une touche pour augmenter vos gains d'expérience. Et voilà la mise à mort. C'est plutôt sympa. Sur les trolls, elle est assez sympa celle-ci. Et donc voilà, c'est là vous êtes sorti du mode transe, etc. Donc vous avez un trophée en fait
pour buter 5 ennemis. Le but, comme je vous ai montré, c'est que vous mettez l'ennemi comme ça jusqu'à temps qu'il y ait la croix disponible. Donc là, il ne bougera plus, il attend en gros la mise à mort. Donc vous mettez un ennemi en croix comme ça, vous essayez d'en mettre 5 avec la croix disponible comme ça, disponible pour la mise à mort, et ensuite vous faites croix sur un des personnages, ça tuera tous ceux qui étaient dans l'attente de la mise à mort. Voilà, j'espère que je me suis à peu près bien expliqué. Donc voilà, ce système, vous avez un trophée pour en tuer 5 dans la même fatalité, c'est-à-dire dans la même transe, en gros. Donc ben voilà, c'est tout. J'ai fait le tour de tous les trophées, j'espère que ça aura été utile. Je vais éviter de vous spoiler plus d'environnement que ça. Donc là, voilà, c'est plutôt du désert, ça c'est plutôt du marécage, des trucs un petit peu sombres. Mais voilà, je vais. Où est-ce que je vais aller? Pour terminer la vidéo. On va aller dans la capitale de la première région. Donc toujours de cette région forestière. Ça, c'est la capitale où il y a les elfes. Donc ça va vous montrer justement les limites techniques, mais en même temps la beauté du. Enfin le goût du design, la patte graphique, qui est super sympa. Donc voilà. Regardez cette ville typée elfe. Elle est. Moi j'aime beaucoup. Voilà des petites lucioles là, des petites. Voilà, artistiquement, on peut pas. Moi je trouve que c'est super sympa, ça change. Voilà, c'est agréable, c'est. C'est pas ce qui te fait mieux, ce qui se fait de mieux graphiquement, hein, je le répète encore une fois, mais c'est super sympa quoi. En tout cas, je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Même pour ceux qui hésitent, j'espère que ça vous aura montré que bah, ce jeu en valait le coup. En tout cas, c'est mon avis à moi, hein. Les avis sont peut-être un petit peu partagés concernant ce jeu, mais en tout cas, pour moi, c'est une franche réussite. J'espère que les droits de la licence vont être rachetés, parce que j'espère une suite. Ben voilà, ben du coup, j'espère que ça vous a plu, pardon. Un petit like si c'est le cas, un abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut à tous!